Et bonsoir à tous et bienvenue sur Baka Live. Ce soir, nous allons affronter Gwendoline du couloir infini. Parce que on est OP et que on aime ça. Alors, vous devez vous demander pourquoi j'ai une tenue toute chelou. Et ben, c'est parce que je me suis dit que la petite Gwendoline, elle faisait surtout des attaques magiques et que ma tenue d'aventurier n'a pas une très grande résistance. Du coup, résistance magique. Re-regarde la scène une première fois. Des couteaux. Des couteaux. Magie. Ce sort passe à travers les murs, donc il faut faire attention, ne pas se le prendre. Oh putain, ce coup-ci, on lui a fait un sacré paquet de dégâts. Ça ressemble vachement à des flèches d'âme. D'ailleurs, je serais mort en temps normal. Putain, elle m'en fait deux d'affilée à chaque fois. Il y a un truc qui traîne là-bas, je pense que c'est mes âmes d'hier. Parce que hier je suis mort, comme vous le savez tous. Une deuxième fois. Ah non. Du coup, on est mort par là. D'accord. Ou alors le couloir s'est allongé encore plus qu'hier, mais. Ce qui n'est pas totalement impossible non plus dans le jeu. Mais... Oui! C'est le second try, les gars! Ah merde, du coup, j'ai perdu mes âmes! Ah, elles sont là! C'est cool! Enfin, c'est cool en fait, on s'en fout, mais. Âme de Gwendoline. Âme de Gwendoline, le soleil noir. Dieu du soleil noir et gardien de la cité désertée d'Anor Londo. Casque en laiton, armure en laiton, gantelet en laiton.
tout est en laiton. Mais laiton vraiment. Mais ça en fait des coffres. Le coffre est vide. La lame solaire. Et là, des fleurs sur une grande tombe. Ou un truc en tout cas qui ressemble à un hôtel. L'autre disait que c'était la tombe du seigneur. Et le seigneur est pas mort. Le roi Gwen n'est pas parti ou une connerie comme ça. Bon, du coup, faut renommer la vidéo là parce que Gwendoline du couloir infini, il aura pas fait long feu. Du coup, qu'est-ce qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse maintenant? Je m'en rappelle plus. Moi, je propose qu'on aille revoir vers l'hydre parce que je suis pas trop satisfait de ce qu'on a trouvé jusqu'à présent. Plus proche. Et hey, salut à toi Draveur. Tu viens de louper un boss. Mais t'as pas loupé grand chose. Ça va bien et toi? Les profondeurs. La paroisse des morts vivants. Le plus proche pour aller à l'hydre. Ce serait la paroisse. Je me rappelle pas si je t'ai demandé si toi ça allait ou pas. Et comme je suis à moitié crevé, je vais partir du principe que je te l'ai pas demandé. Donc comment tu vas toi? Ah, on peut monter un level. Ça va, je vais regarder la rediff. Bon, t'as rien perdu, hein, je te rassure. Le boss était pas terrible. On s'en était fait toute une histoire. Et il avait pas l'air. Il avait pas l'air très en forme. Pas veillant pour Asoul, monsieur. Ouais, c'est pas mal. Ouais, je vais pas me faire tuer, t'inquiète pas. On va remettre mon costume habituel parce que celui-là est pas très beau quand même. Il est où le casque en laiton? Armure de grâce de l'élu. J'ai l'air plutôt classe et en plus elle est pas trop lourde. Ce qui est plutôt parfait. Non, malheureusement, je crois que la ville est morte hein, maintenant. Je pense que tuer Boobies était un acte plutôt irrémédiable dans la situation présente. Mais vous étiez tellement... Vous étiez tellement pressé qu'on se débarrasse de Boobies que... Malheureusement. Tiens bon que j'y pense. Mais je peux toujours pas cliquer sur le chat quoi. Bon bah tu restes modo hein, encore un peu hein, je suis désolé.
retourner vers l'hydre. Va pas mourir, tu me perds de ça. Et pourtant, c'est mon rêve. Mourir entre des seins. Oh là là. Oh là là. Rien que d'y penser. Ça me fait rêver. Bah, je suis désolé parce que tu l'as pas gagné ton statut pour l'instant. Tu vois, c'est pas le même mérite que si tu l'avais gagné à la sueur de ton front ou en gagnant le pari, tu vois. En gagnant le pari, t'aurais pu te moquer des autres en disant c'est moi qui ai gagné. Là, je t'ai mis modo par défaut et c'est pas terrible. Putain, mais la console lag systématiquement dans ce coin quoi. Ok. Attends, non, lag, c'est la faute de la connexion et RAM. Elle rame dans ce coin. Pardon. Il y a peut-être une grosse partie du jeu qui est pas chargée quand t'arrives là. Et du coup, à mon avis, le temps que ça la charge. En ce moment, je dormirais volontiers entre une belle paire de seins, mais on va pas parler de choses personnelles. On se connaît pas encore assez, on n'est pas intime. En plus, t'es un garçon, donc pas terrible. Pam 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 pam. J'adore les reflets dans l'eau. C'est juste sublime. Ça, c'est de la PS3 quoi. Ouais, non, mais moi je les prends pas en dessous de 18 ans. Ça s'appelle un crime après et tout. C'est compliqué.
Faut parler aux parents. J'aime déjà pas parler aux gens. My home of Ulysia was reduced to ashes long ago. I've been alone ever since. But to be summoned thus and to be of service to thee, it is most rewarding. Oh, forgive me. Such a my home of oh, forgive me. If thou art in need, pray summon me again. I only wish to be of some genuine assistance. May the flames guide thee. On dirait Demon Souls quand on le dit. Bon allez, faut avancer un peu les enfants. C'est pas tout ça. Mais on a déjà battu un boss ce soir, en moins de 10 minutes. Maintenant il faut se trouver une nouvelle passion. Pam pam pam. À parcourir bien sûr. Hein. On va éviter de faire randonnée toute la soirée. Ouais mais vous êtes pas en face de moi, c'est pas aussi dur tu vois. Le problème c'est que quand je vois les gens en face de moi, je vois à peu près à quoi ils pensent pendant que je leur parle. Ça m'énerve. Puis là on parle jeux vidéo. Dans la réalité, parler de jeux vidéo, bah déjà faut trouver des gens intéressants. Et puis faut trouver des gens qui aiment ça. C'est pas si facile de trouver des gens qui aiment le jeu vidéo dans la réalité. Hein. Et salut à toi Sunbro, bienvenue parmi nous. Je sais pas pourquoi, je me dis que me balader avec une épée électrique dans un coin où il y a des dragons électriques, c'est pas forcément la meilleure arme au monde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer d'arme. C'est qu'on aurait aussi pu le faire. Eh, hey, bienvenue parmi nous, Sunbro. Tu es maintenant un follower. J'espère que le contenu que la chaîne te proposera te plaira. On aurait aussi pu mettre la main dans l'autre main. Bah oui, et puis entre guillemets, quand ils vieillissent, ils commencent à avoir honte de leur. De ça quoi. Alors que. Y a pas vraiment de raison. Moi j'ai jamais eu honte de jouer aux jeux vidéo. Bon après, je suis un grand gamin donc je peux concevoir qu'on soit pas tous comme moi. Hein. Mais je t'avoue, c'est un peu difficile de temps en temps. Putain, je peux pas le mettre. Putain, il rock celui-là. Ah, celui-là, je peux pas du tout le mettre. Ouais, ça. Du coup, 75 aux dégâts électriques, ça peut être sympa. Thank you.
Ah, je pense bien, ouais. Mais on m'a tellement dit l'électricité c'est cheaté, il faut prendre la clé mort électrique, bah j'ai pris, hein. Maintenant il faut en assumer les conséquences. Donc c'est moins bien, mais il faut en assumer les conséquences. Et là il y a l'air d'avoir un truc, donc on va y aller. La capuche du brigand. Et le bouclier araignée, je l'ai depuis, depuis un paquet de temps. En même temps j'ai une armure en laiton. Du coup, est-ce que le laiton attire l'électricité ou pas? Bah c'est pas grave, oui et non, parce que au final elle m'a coûté cher cette épée quand même. Bon, on m'a dit t'inquiète, c'est cheaté l'électricité, vas-y à fond. Ouais, c'est pas encore ça, hein. Mais par contre, on meurt, et ça c'est bien. Enfin, c'est bien pour vous. Chaque mort rapproche de plus en plus des gens du pari qu'ils ont fait. Du coup, j'aurais peut-être dû renforcer la lame tout à l'heure. Bah, c'est pas grave. Personne. On a quoi? On a notre épée plus 10. Il faut continuer à y croire, chaque mort te rapproche de plus en plus de ton but. Devenir le meilleur dresseur de dragons. Il a le droit de voler dans le mur comme ça? C'est autorisé? Il a pris un permis pour ça? Thank you.
qu'est-ce qu'il attend pour bouger cette espèce de dragon de merde? Ça a l'air vachement long, ouais. Bien. Ah, il y a une échelle. C'est bon, on va s'en aller. Vous avez qu'à jouer entre vous. De toute façon, vous êtes méchants. Et la porte, elle est fermée. Ouais, mais c'est pas drôle. Anneau Pierre Lame Rouge. D'accord. Ça, c'est quoi, ça? Attendez, on vient ici juste pour ça? Une porte fermée? Pas possible, il y a forcément autre chose. Oh putain, lui il m'a aggro de loin lui. Lame rouge. Augmente l'attaque quand les PV sont bas. Ça a l'air chiant comme la mort. Toi dans un trou alors que t'as un dragon électrique à côté de toi. Ces moves avantageux et pas pour ses dégâts. Bah on choisit un peu pour les deux quand même. Enfin moi je trouve, mais après je t'avoue que je suis pas un expert donc je te crois sur parole, mais enfin, moi je l'ai choisi aussi pour les dégâts quoi. Pas plus loin que ça? Ah si, quand même. Voilà. Ça dépend ce que t'appelles grosse armure en fait. En fait, les armures sont grosses selon ton niveau.
toute façon, là, déjà, à mon endroit, je pourrais déjà porter une grosse armure si je voulais. Le truc, c'est que j'aime bien être libre de mes mouvements et courir vite et machin, et j'ai pas encore assez de... C'est pas la dextérité, c'est la volonté, je crois, ou une connerie comme ça, pour jouer, quoi. Ouais, je suis un pyro-barbare. Pyro-barbare. Les ruines de la nouvelle Londo. Donc on m'a dit d'utiliser les objets qui maudissent pour pouvoir taper les mecs. Parce que les fantômes font un petit peu mal et ils sont un petit peu invincibles. Donc on va voir ce que ça donne déjà avec la clé mort électrique. J'aurais peut-être dû aller popoter de soin, mais... On verra après, on va déjà faire un test. D'abord, on teste la clé mort. Après, on verra. Ça a pas l'air terrible. C'est pas terrible du tout, même. On va reculer. On va aller chercher des popos et après on utilisera l'objet qui est maudit là qu'on m'a dit d'utiliser. C'est une zone bas level ici? Non. Bah je sais pas en fait. Jusqu'à présent j'ai plus ou moins évité d'y aller. Hey GG Sambro pour ton level 4. De tomber dans le trou. Si on tombe encore dans un trou, il y a notre ami Draver qui va dire oh, tu tombes dans tous les trous. Ne me remercie pas, c'est moi qui te remercie de suivre mon chat, mon live avec assiduité depuis ces 3 derniers jours. Tu le fais en tout dernier à chaque fois cette zone. On va aller voir la marchande de mousse. Si je me rappelle bien, c'est elle qui vend les objets pour la malédiction. Tout est toujours un peu chelou quand on le sort de son contexte. Hein. Tu peux encore nous ban ou pas? Draver peut encore vous ban parce que moi je peux toujours pas en fait. Je vais mettre mon navigateur à jour et j'ai pas le temps donc. Yes, on a les pleins pouvoirs. Je ferai un effort si vous m'embêtez. Alors, le feu de départ est totalement cheaté depuis que je lui ai donné l'âme de la gardienne de je sais plus où.
D'ailleurs, c'est un tout petit peu chelou que celui-là spécifiquement se soit mis à faire des plus 20. Enfin, je m'inquiète plus de rien dans le jeu. Il y a des mystères que je ne comprendrai pas. Du coup, ouais, le feu de départ donne 20 popos. Ce qui est vraiment terrible en termes de quantité. Se reposer près du feu, si loin du feu. Va changer ton arme en plus 10. Maintenant. Malédiction fugace. Voulez pas qu'on finisse ça? En plus, j'ai pas d'âme. Le prochain feu, on le fait. Allez. J'ai pas envie de retourner en arrière tout de suite. Va choper plein de matériaux pour le plus 15. Bah écoute, d'abord on fait un peu de farm parce que j'ai pas envie de faire des allers-retours toute la soirée. Hey, laisse-moi tranquille. Comment ça tu me tranches la nuque? Putain, le chemin quoi. Oh putain, j'en ai des deux côtés. Non, non. Bon bah finalement, on va peut-être pouvoir aller voir le forgeron. Hein. Quoique non, mais ça coûte des sous d'aller voir le forgeron pour faire ça. Il va pas me le faire gratuitement. Faut quand même farmer 2-3 âmes avant d'y aller. Sais pas pourquoi je vous écoute, de toute façon, vous me dites un truc le jour et un autre truc le lendemain. Et moi, je continue à vous écouter gentiment. Non, mais moi, je tomberai toujours dans les trous. Hein. Soyons d'accord tout de suite. Il n'y a même pas à chercher. On va se faire 1000 âmes. On va remettre l'arme niveau 10. Là, tout le monde sera content.
Non mais j'ai une grosse série de morts dans des trous dans ce jeu. C'était déjà le cas dans Demon's Souls. Dans Demon's Souls, le monde avec les gargouilles, je pense que je suis plus souvent mort en tombant qu'en me battant. Tam tam tam. Et voilà. Du coup, on est content. On est repassé niveau 10, niveau 6, ouais, niveau 10. Du coup, notre clé mort, elle est niveau 10. C'est génial. Et on peut pas la monter plus. Je t'emmerde, vieux. Eh non, je peux pas. Elle apparaît pas dans la liste. Elle apparaît même plus dans cette liste. Bon, allons chercher des âmes. Comme ça, Sunbro sera content. On va faire, c'est qu'on va carboniser et une braise spéciale. Mais non, mais attends. Tu veux que je la trouve où ta braise spéciale? Hein? Oh, il va pas sortir cette année. Mais si je l'ai pas, pourquoi je prends des âmes maintenant alors que je peux pas le faire? Pourquoi tu m'en veux, Sunbro? Je peux pas me faire tuer, j'arrive déjà pas à marcher droit. Ah, j'ai mal partout. Faut que je m'achète une vraie chaise de bureau. Alors, les Kingdom Hearts, je les ai pas faits, ils sont prévus pour l'année prochaine. En fait, j'ai un problème avec le gameplay rigide du premier Kingdom Hearts. L'année prochaine, on va souffrir. Souffrir sur les éditions HD. Hein. Comme ça, je pense qu'on fera le 1, 2, 3, et voilà. Après, la série en elle-même. Il n'y a pas de feu dans New Londo. D'accord. La série en elle-même des Kingdom Hearts. Elle a l'air d'avoir une grosse histoire. Il y a des épisodes sur plein de consoles différentes. C'est un peu pour ça que je veux faire les HD, pour avoir un peu toute l'histoire d'un coup. Même si on m'a dit que les HD étaient une version totalement, on va dire, une escroquerie totale. Vu que tu peux pas jouer aux éditions portables, en fait, ils te donnent juste le scénario en cutscene. Après, ma sœur est une grande fan des Kingdom Hearts. Et du coup, je connais à peu près le pitch de base, hein, du jeu.
Et j'étais très fan d'une saga MP3 qui parodiait Kingdom Hearts. Dont je me rappelle plus le nom et j'ai failli tomber dans un trou. Malédiction Fugaz. Ça, j'en ai que 4, hein, donc falloir y aller doucement là. La question que je me pose, c'est est-ce que les fantômes pop à l'infini? Ah, mais par contre, les fantômes donnent eux-mêmes des malédictions fugaces, d'accord. Ok, LM, donne-moi des trucs pour te tuer, pas de soucis. Moi pas chiant, moi pas compliqué. Tout à l'heure deux, il y en a deux qui ont pop dans mon dos. Donc ce que je voudrais, c'est qu'ils pop. Mais ouais, fuck la logique. Un ennemi est pas censé se balader avec la pire chose qui peut le tuer, quoi. Ah, il pop au moment où je passe, en fait, d'accord. Vous avez récupéré 1000 âmes. Êtes-vous heureux? Une flamme de la gardienne! On va pouvoir augmenter le feu, les gars. Alors, où on voit la lune dans l'eau? Ah non, c'est juste un trou dans le. Bref. Qui est Randy? Un homme cruel qui m'a conseillé un jeu quand je cherchais des jeux pour mettre sur ma liste en début d'année. Il te donne aussi des armes qui peuvent les tuer sans malédiction fugace. Ah, ça serait bien ça. Surtout que je crois que l'effet est en train de s'estomper. Ah non, ça va. Il y a un brouillard là-bas. Ça a l'air sympa, allons-y. Les mecs peuvent passer à travers le mur, quoi. Le mécanisme ne bouge pas. Pas de soucis, restons là où t'es. Si tu veux que je te dise. Ok, je suis en train de faire une collection de malédictions fugaces. Hop.
Peut-être que c'est pour ça qu'ils traversaient les murs, les dragons. Je te vois. Par contre, c'est un peu cheaté que tu sois dans le mur. Eh merde, je suis plus sous malédiction fugace du coup. Fallait bien que les fesses finissent un jour. Bah peut-être sous malédiction, mais quand je suis pas sous malédiction, ça m'étonnerait. En tout cas, pour l'instant, ce qu'il faut, c'est reculer. Reprendre des vies. Et se concentrer quoi. Parce que là, bon, ils se sont paqués. Du coup, on va pouvoir faire d'une pierre trois coups. Oh, il y a une statue. Et il y a une âme aussi. Il y en a combien des comme ça? C'est peut-être moi, mais j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup dans cet endroit. Bon les gars, vous êtes trop nombreux, je peux pas tous vous servir d'un coup, donc il va falloir choisir qui passe en premier. C'est super sympa, vas-y, continue à me taper pendant que je peux pas te riposter. C'est qui lui? Oh, mâche. Well, this is a surprise. I get few visitors. Save for ghosts, you have the Lord Vessel. Very impressive. I know exactly what your intentions are. You seek the four kings whom I guard over. This is the key to the seal. The four kings slumber in the deepest chamber of the ruins. Use this key to break the seal and open the floodgates. Oh, and do not forget, the dark wraiths reside in a dark void called the Abyss.
but the Abyss is no place for ordinary mortals. Although, long ago, the knight Artorias traversed the Abyss. If you can find him and learn from him, the Abyss may prove surmountable. J'ai un anneau pour ça, je crois. Traverser les abysses. Hello there. The key to the... J'aime les chiffres, bien. Du coup, ce mec, il me sert plus à rien, je peux pas l'empaler. Allez, venez, mes petites, venez. Hop. C'est celui-là, je crois. C'est peut-être l'autre. Empale-le. Et juste parce que tu l'as demandé, je ne le ferai pas. J'ai un esprit de contradiction très très puissant. Des merdes. Faut que je sorte de là. Personne n'est sympa dans le jeu seulement. La seule que j'apprécie, c'est ma gardienne du feu. Bon alors, on a un nouvel anneau. Anneau de la morsure maudite. Anneau de la morsure maudite. Ça sert à rien. Putain, mais le machin est gigantesque en fait. Les boobs étaient sympas. Ouais, les boobs étaient sympas et vous me l'avez fait tuer. Je le regrette encore. Ils étaient si volumineux, si boobifiants. C'était le beau business, quoi. Comme habite. T'habites les beau business, d'accord. Non, mais pourquoi pas. Non, non quoi. La seule personne saine d'esprit dans le jeu est Dwana de Zena. C'est du tout qui c'est. Oh, c'est là où il y a les dragons. D'accord. Du coup, j'ai tué les dragons avec l'eau ou pas? Non, parce que ça, ça serait classe par contre. Putain, ils sont même pas morts quoi. Pas la bite, juste les boobies.
L'endroit est gigantesque comme ma bête. Ah, c'est un classique du genre, j'avoue. Un arc composite. C'est un arc composite d'elfes sylvains. Ouais, on va descendre, attends, on va descendre. Là, il y a un truc en haut, je crois. Il y a un escalier en tout cas. Vous voyez, quand il y a un escalier, il y a un truc. Y a pas un anneau de la malédiction? Comme ça, je suis de porte, je suis tout à fait maudit et on arrête de m'embêter avec cette histoire de. Attention, mort imminente. D'accord, pas de soucis. J'ai le droit de choisir ou pas? J'avoue que maintenant que tu m'as dit mort imminente, oui, je stresse un peu, ouais. Ouh, il est beau, lui. Oh, putain, des squelettes! Trop la hype! Des éclats de tétanette. J'avoue que les montagnes de squelettes, c'est vraiment énorme. J'aimerais bien comprendre comment la nouvelle Londo a fini dans un état 4 fois plus désastreux que l'ancienne Londo. Alors les mecs, avec le niveau d'architecture qu'ils avaient... Mets l'anneau du frelon. Ah non, je peux mettre l'anneau du frelon. J'ai un anneau du loot, pourquoi tu veux que je mette l'anneau du frelon? Par contre, le brouillard, lui, me fait stresser. Ouais. Vas-y, viens, boss. Viens pas, boss. D'accord. Ah, il TP. Non. C'est quoi, c'est une bou un bouclier de ténèbres? N'écoute pas Sunbro, jamais. On dirait les monstres dans Demon's Souls. Âmes, c'est énorme. Tout comme ma bite. Ah, c'est un bouclier de ténèbres. D'accord. Je peux l'avoir, moi, ça? Là-bas, il y a un truc qui brille. Et je suis plus sous malédiction fugace. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la reprendre. Vous voyez, ça c'est tout des trucs que j'ai déjà vu dans Demon's Souls.
Du coup, j'ai un peu de mal à m'inquiéter pour des trucs pareils. Encore un serpent? Ah oui, j'ai lu ton pavé. Et c'est pour ça que j'ai dit encore un serpent. En fait, ce que je peux pas lire sur l'écran, parce que par exemple, vous avez l'impression que c'est passé trop vite, j'ai le chat sur la gauche en fait. J'ai le chat ouvert donc je vois ce que vous m'écrivez. Mince. La mince. Tu le veux dans les dents, c'est ça? Le serpent originel, eh ben, c'est pas le même, il a pas le même nom. Ça. Ah, mon gantelet frappe. Les spectres sombres ont corrigé par quatre utilisent le pouvoir de l'âme sombre pour absorber l'humanité. Un art retrouvé dans cet art assis de bouclier spécial. Les anciens pouvaient absorber l'humanité en un seul clin d'œil. Quel pavé tu m'as envoyé? Eh non, il n'y avait que celui sur le serpent originel! Tu m'as envoyé un sujet sur les la décadence de New Londo. Tu m'as expliqué que les dieux ont décidé d'engloutir la cité. Voilà, je l'ai lu. Faut pas te vexer. C'est pour ça que je t'ai dit encore un serpent. Oh, il est pas terrible ce bouclier. Ah, tu l'as raté l'autre serpent originel, d'accord. Je savais pas moi qu'il y en avait deux. Il y en a un en ville qui dit qu'il veut m'aider. Pas en ville, à côté de la cathédrale, parce qu'il n'est pas vraiment en ville. Ah, c'est ça que tu voulais dire, d'accord. Ah mais je crois qu'on s'est pas compris au milieu, c'est pour ça. Je m'inquiétais, je me suis dit merde, j'ai loupé des trucs encore. Ah parce qu'il est possible que certains messages ne soient pas lus. On sait jamais ça, mais
C'est vrai, je demandais le bouclier et je l'ai eu directement. C'est pour ça qu'il faut garder le truc de l'anneau du serpent qui permet de goûter. Ce n'était pas un trou. Oui, mais ça compte quand même comme une mort. Tiol d'Estus est renforcé. Putain, la fille, je l'ai ressuscitée, elle peut parler, elle n'est pas contente. Les gens sont vraiment contents, que quand ça les arrange. Hein. C'est le cimetière, on n'y est jamais allé du coup. Parce qu'au début du jeu, on s'est dit, bah tiens, on va aller de ce côté, et finalement, on s'est fait défoncer dans le cimetière par des squelettes. Du coup, on n'y est jamais vraiment retourné. Même pas pour se venger des squelettes. Impur par nature, hein, dis-nous tout. C'était une vilaine cochonne quand elle était plus. Elle n'était pas encore gardienne à l'époque. Eh ouais, elle est cheatée ma fiole. En fait, j'avais ramassé tout à l'heure une âme de la gardienne. En fait, dans le jeu, il y a des âmes de la gardienne que tu peux récupérer et du coup, tu peux permettre de up ta fiole d'Estus. En fait, elle agrandit ta gourde. Elle la rend plus efficace. Ah ouais, ça a pas l'air drôle maintenant. Tiens. Pas rester là à rien faire, les gars. Remettez-vous au travail. Ouais, c'est un mécanisme du jeu en fait. Plus tu augmentes en niveau et plus tes fioles sont fortes. Je te montre un raccourci. Ça dépend, est-ce qu'il y a moyen que je le trouve tout seul ou pas? Ouais, si c'est un raccourci pour aller au boss, non, j'en veux pas. Moi, ce que je veux, c'est découvrir la zone. On est en mode randonnée, hein. Et tout à l'heure, il y avait un mécanisme qui marchait pas sur mon chemin, donc j'imagine que c'est un des moyens d'aller un peu plus vite dans la zone. Ah voilà, là. Je suis sûr que là on peut descendre. Tu y étais quand tu es mort. Ah, j'étais au boss? D'accord. Ah bon, bah. On va y retourner. Si tu me dis qu'on y était, il n'y a pas beaucoup de route. J'ai pas encore décidé si on se faisait le mage ou pas. Ce n'est pas un raccourci au sens conventionnel du terme. Ah, il faut tomber sur des passerelles pour tomber à un autre endroit. Bah, tu sais quoi, la prochaine fois que je meurs, on l'essaye.
J'avoue que leur armure elle est plutôt top. On peut looter leur armure ou pas? Je l'ai trouvé en chutant. Voilà. C'est en tombant qu'on apprend à courir. On va faire du vélo, je sais plus. Un des deux. Ouais, mais moi quand je chute en général, je trouve juste la mort. C'est mort pour ta partie, tu la dropperas plus. Pourquoi? Bah explique-moi. J'ai droppé l'autre bouclier alors je peux pas avoir l'armure, c'est ça? Ah ouais, moi les chutes ça me connaît. D'accord. Dis-moi pas alors. Il faudrait refaire une partie et faire les bons choix. Ouais. Ah, il faut genre aller voir l'autre serpent, c'est ça? Je suis pas allé voir le bon serpent. Moi, j'ai choisi le bien et il fallait voir le mal, ou alors j'ai choisi le mal, il fallait voir le bien. Alors fallait pas tuer Boobies. Si c'est ça, je vais pleurer. Des éclats de tétanette. Putain, j'arrête pas d'en louper quoi. Voilà, voilà. Voilà, j'avais dit que je voulais pas kill Boobies. M'avait fait, mais si, t'inquiète, Boobies, c'est pas grave. Il faut qu'elle meure. Voilà. Maintenant, je vais le regretter toute ma vie. On l'a tué hier, Boobies. T'étais là pourtant quand on l'a tué. Et merde. Ça c'était un trou par contre. Donc on en est à 132 morts. Mais si, on l'a tué hier. Mais pas seulement. On a tué Gwen aussi. Ça compte ou pas? Gwen, le serpent du couloir infini. On l'a tué dans les 10 premières minutes de la vidéo de ce soir. Et on a tué Sif aussi, hier. Et on a tué Sif aussi, hier aussi. On a tué les deux Sif, c'est parce que comme ça on se trompera plus maintenant. Ils sont tous les deux morts, c'est bon. Je reviens.
m'excuse, hein, mais j'ai pas mangé ce soir et la faim commence à. Tu veux que je t'explique au niveau du lore? Alors, j'accepte que tu m'expliques ce qui s'est passé avant tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je préférerais que tu m'expliques pas trop ce qu'il y a à venir. Que je découvre un peu les personnages et tout. Par contre, ce qui est déjà passé, bah, il est passé, quoi. Bon alors, un raccourci, un raccourci. Ça a pas l'air d'être un raccourci. Succès 4. Je sais pas c'est qui Kate. Le deuxième serpent. D'accord. Et il est où? Est-ce qu'on peut aller le voir peut-être? Parce que j'ai pas vraiment passé de pacte avec le premier serpent. Passage secret. Là c'est trop loin. Là c'est pas si loin que ça. Genre là quoi. Mais là ça relie à rien. Là par contre c'est relié. Ok. C'est bon, j'ai trouvé le secret. C'est cool. En fait, moi, les serpents, je t'avoue qu'on m'a dit que c'était des serpents, mais pour moi, ils ressemblent un peu à rien. Non mais non. On va finir par arrêter de mourir stupidement. Je pense que manger me fera du bien. GG Sunbro pour ton level. Tu es maintenant au niveau 5. J'étais sûr que t'étais niveau 6. Enfin. Ce soir je fais Backahead, c'est Dark Souls en mode social cuisine. Draveur il est dégoûté parce que vu qu'il a un gros niveau, maintenant ses niveaux ils montent moins vite. Ça a toujours été comme ça, hein. Quand on a un gros niveau, après il faut pex plus longtemps.
Comment ça, j'ai les bottes? Ah, elle, non, c'est le bro. J'ai cru que j'avais looté des trucs et que j'avais pas vu. Ça m'a fait souci. Ouais, j'en ai un plus haut level que toi, ouais. Un seul. Mais là, il est parti en vacances avec sa famille. Et il doit être level 16, je crois. Je peux pas te dire de bêtises. Un éclat de tétanite. Ah mais c'est le machin qui fait des crânes en fait. Un éclat de tête. On n'en shot pas assez dans la zone, tu sais, ils t'en ont donné aussi dans les coffres. Ah, c'est la zone du boss. On la reconnaît facilement quand le brouillard se dissipe pas derrière vous. Donc on va descendre. Je le lirai après, Sombro, hein. Je suis désolé. On arrive presque au boss. Faut que je peux m'arrêter, visiblement. Il a pas l'air de vouloir m'attaquer maintenant. Donc. En fait, Framp sert la lumière et Gwen Kate sert les ténèbres. Et les humains, il veut que les hommes prennent le pouvoir et veulent l'avènement du Seigneur Framp. Tandis que Framp veut la fin de la malédiction qui sert aux humains de revenir après les morts. En gros, les deux serpents s'opposent et veulent à tout prix que ce soit lui que le mort-vivant et lui toi croisent en premier. Voilà ce que j'en dis, pas plus. D'accord. En fait, si j'avais croisé l'autre serpent en premier, j'aurais choisi une autre partie de la quête, en fait. Ouais, mais je vois plus rien là. Ah ouais. Ça se passe comme ça ici. Ah.
d'accord, en fait je me suis trompé en fait. Eh mais c'est cheaté son truc à lui là. Oui, c'était les 4 rois forcément, donc ils vont en avoir 4 sur la scène. Hop là, hop là, hop là. Et merde, il m'a chopé. Bon, car tu peux faire ce que tu veux. Oh, ils repopent les rois. Oula, 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 oula. Non. Non, j'ai carrément pas trouvé la très grande braise. Bon, comment dire? C'était pas terrible comme travail. Hein. Faut que je trouve un moyen de les tuer suffisamment vite pour pas en choper 4 d'un coup quoi. Ok. Pas de soucis. On va faire ça. D'ailleurs, je propose que ce soit la dernière chose qu'on fasse sur ce live. Il peut en avoir plus que 4, il y en a un qui apparaît toutes les 45 secondes. Bah attends, il y en a eu plus que ça là. Le combat il a duré si longtemps que ça. Du coup, là où j'ai récupéré la braise, si je me trompe pas. C'est par là. Et ouais, c'est déjà presque 22h. Non, il y en avait 4 sur le terrain, mais j'en avais tué un. Donc on en a eu 5. C'est pour ça que je crois qu'ils avaient repop, moi. Ouais, tout passe toujours trop vite. Thank you.
Elle est dans un coffre, d'accord. Ce petit coup de poivron, les gars. C'est ça qui donne goût à la vie. D'ailleurs, en parlant de poivron, 135 morts. Encore 15 morts hein, pour le prochain piment. J'aimerais tellement que ça soit juste des poivrons. Du coup, ouais, faut remettre l'anneau du loot. Personne me dit rien, mais avec l'anneau du loot, au moins on lootera des titanites. T'avais voté toi, Sambro, ou pas? Je me rappelle plus. Qui on avait sur la liste des votes? Eh non, mais t'avais pas voté toi, Sambro! Si t'as un score de mort finale, dis-moi. Ça fait quoi les titanites? Ça permet d'augmenter les armes et les armures travers. Sunbro est arrivé après. 217. Ça change quoi qu'il soit arrivé après, il a le droit de voter. Hop! Tous les mecs sympas ont le droit de voter. Je prends un stylo. Sunbro. 217. Hop. Sunbro, il est impressionné par mon niveau de jeu, il pense que je peux le finir. Finger in the nose. Ouais, mais tu es le pote du soleil. Tu n'es pas le soleil. Tu es le bro du soleil. Ça fait mal. Je pense que vous me surestimez beaucoup. Ça, déjà le premier problème c'est qu'il y a beaucoup de trous. Et les trous c'est un peu mes ennemis fatales quoi. Ah, on peut monter là-haut. Comment on va là-bas? L'autre côté.
enfant du soleil. C'était Nadia, l'enfant du soleil. La drogue, c'est mal. Prenez-en un plus. Après, ça fait plus mal. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur une chaîne Twitch. Faut que j'arrête de dire des conneries, surtout qu'il y a des mineurs sur l'audience. Donc oui, la drogue, c'est mal. Ça amène une dépendance qui coûte cher au niveau financier et en plus qui coûte cher aussi pour votre santé. Si vous voulez vivre vieux, la très grande braise. Du coup, on va utiliser le très grand TP aussi. Je parie sur 22 ans. Et GG Driver pour ton niveau 14. Je peux rien faire. Mais je vais pas la mettre en lourde, mon épée. C'est nul, lourde. C'est nul que ça, mais... Non, mais non, c'est pas lourde. Je peux la monter 15. Le machin il me fera presque 500 dégâts quoi. Arme ultime. Il faut que j'aille l'essayer sur un serpent. Et après, on arrêtera la vidéo. Non, reste, tu es mineur. Ouais. Ça fait un peu mal quand même.
En tout cas, ce que je tiens à dire, c'est Sunbro, Raver, merci. Et je vous souhaite une très bonne soirée. C'était Bakel Live et on jouait à Dark Souls 1. Allez, à ciao.